Pour moi, une journée sans activité sportive, ça va pas, quoi. Je me levais à 1h du mat, j'allais nager à la piscine jusqu'à 4h et je prenais mon train à 5h pour aller bosser. Les gens, ils me disent souvent « Tiens, on t'a vu, t'étais en train de courir ». Maintenant, avec le recul, je me dis « Ouais, effectivement, à l'époque, t'étais un vrai Nasbrock, quoi ». Faut que je me raisonne, mais j'y arrive pas. Même en vieillissant, j'y arrive pas. Ne jamais s'arrêter, ou presque. La vie de Didier Rageot, 50 ans, et son moteur qui tourne à plein régime, tout le temps. Bon, quand j'embauche à 10h, par exemple, je pars chez moi à 8h le matin, et puis je me fais 2h de VTT avant d'aller bosser. Poitiers, la ville aux 100 clochers. Didier a sa religion, le sport. Éducateur sportif, il travaille 30 heures par semaine en horaire décalé et consacre le reste à la course, à sacerdoce. Vous pesez tout ? Je pèse pratiquement tout, sauf les desserts. Pas forcément. Mais vous pesez chaque aliment ? Ouais. C'est un peu un rituel, hein, en fait. Hein. J'aime bien quand même ce qui est bon. Hein. Par contre, je mange jamais de charcuterie, je mange jamais de choses gras. Je prends des huiles de première pression à froid. Surveillez toute la nourriture. Ouais. Bienvenue dans le monde des fous de sport. 40 mètres carrés, 3 vélos, un home trainer, des murs tapissés d'exercices. En 2011, Didier participe à l'Everest Sky Race. 250 km en 9 étapes à 5000 mètres d'altitude au Népal. Il abandonne, victime du mal aigu des montagnes. Et c'est soutenu par un Népalais que Didier fera la fin de l'étape et arrivera exténué au camp de glacier. Vous avez quand même risqué votre vie, ça vous incite pas à arrêter à mettre le haut là ? Non, je... Franchement, non. Entre 2 et 3 heures par jour, 6 fois par semaine, il gambade ou fait du sport par tous les temps et dans tous les états. Quand on est blessé, on arrête de courir. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est ce qu'on me dit, t'as qu'à te reposer, mais non. Non, puis bon, quand je peux pas courir, je fais du vélo. Mais vous n'arrêtez jamais. Jamais. Sauf quand je suis malade, quand j'ai une angine, quand vraiment je suis couché, quoi. Et même des fois, ça m'arrive de faire un petit peu de home trainer. C'est pas normal, ça. Non, c'est peut-être pas normal. Mais je m'en fous. Même pas peur chez ces gens-là, et surtout, même pas mal. Alors, autant forcer la dose. Natation, vélo, course à pied, Pascal Piche a tout donné pour le triathlon. 40 heures par semaine en plus du travail. Enfin, ça, c'était avant. Je réfléchissais pas comme ça, je me disais putain t'es bien, voilà, fonce, et puis voilà, je me disais pas je suis addict, je suis bloqué par le sport, enfin je suis drogué au sport. Pascal est tombé dedans, version ultra. Les Ironman, il les multiplie par 2 voire par 10, ce qui donne à l'extrême 38 km de natation, 1800 à vélo et 420 à pied pour 8 jours de course et l'entraînement qui va avec. Je dormais à moitié au boulot. À l'époque, je gardais Monsieur Chirac à l'hôtel de ville. Je dormais contre le mur. Bon, voilà. Non, mais faut dire ce qu'il y a. Hein. J'y suis plus flic, je peux dire. Je m'en fous. Donc, et puis je rentrais à 13h à la maison et je prenais mon vélo. J'allais rouler. Et le soir, j'allais courir. Enfin, voilà, quoi. C'était une vraie vie de barbare. Mais à côté de ça, moi, je me régalais comme ça. Hein. Ça me dérangeait pas de mettre mon réveil, d'aller rouler en pleine nuit. Et puis voilà. Quoi. Cette histoire l'a emmené loin. À des titres de champion du monde d'ultra triathlon, certes. Mais il a dû quitter son travail pour se consacrer à ce sport dont il vit très modestement. Et sa première vie de famille a éclaté. À 50 ans aujourd'hui, il rêve encore de défis, mais s'entraîne mieux et moins. C'est dur de reconnaître à un moment, de dire « Merde, je suis malade », entre guillemets, quoi. Voilà, je suis addict au sport. C'est un travail aussi. Hein. Il y a l'ego, il y a ci, il y a mi. Ah, c'est moi, machin. Ouais, mais bon, c'est toi, papa. Regarde-toi dans la glace. Et à part un beau corps, tu vois quoi ? Dans ta tête, il y a quoi ? Et autour de toi, il y a qui ? Voilà. À gauche. Pascal a mis le clignotant et ralenti tout seul. Pas le cas de tout le monde. On va parler donc d'un patient qu'on a reçu, patient qui est suivi depuis très longtemps dans le service, qui présente donc une pratique très problématique de l'activité physique. C'est-à-dire que quand il ne peut pas pratiquer, ce patient reste très déprimé. À Bordeaux, un centre hospitalier traite spécialement de l'addiction au sport.
Ce service constate une hausse du phénomène depuis 5 ans. Tout ça est très empêchant par rapport à une vie sociale normale, habituelle. Une addiction, par définition, génère des dommages. Et parler, comme c'est souvent le cas en sport, d'addiction positive, est donc inapproprié. L'addiction au sport, ce qui est particulier, c'est que c'est valorisé socialement. C'est-à-dire qu'on est dans une société où, justement, le dépassement de soi, faire attention à son corps, lutter contre la vieillesse, se préoccuper de sa santé, tout ça, c'est extrêmement valorisé. 3, 2, 1. Se dépasser, chercher la limite, la quête, pour beaucoup. Les courses d'ultra-trail ou d'endurance prolifèrent, elles sont dures. Dans ces épreuves, le corps, pour lutter contre la douleur, génère sa propre morphine, l'endorphine. Toujours le même principe. Plus c'est long, plus la quantité est importante, plus c'est bon. C'est aussi ce qui conduit à l'addiction. Le sport, oui. Attention à ne pas en perdre la raison. Chacun doit trouver sa voie sans rentrer dans la connerie, quoi. Et je suis mal placé pour le dire, hein, mais bon, ouais, voilà. Il faut vraiment peser le pour et le contre, quoi, et se dire, je suis pas tout seul. Alors j'arrive à y penser un peu maintenant, donc c'est un pas en avant. Mais ceux qui n'y arrivent pas, posez-vous la question. Eh oui, c'est vrai que...